21e siècle, période animée par les numériques et la télévision subit actuellement des menaces de l'extinction face à la prolifération des médias sociaux. Malgré tous les défis, ce média traditionnel reste le seul outil d'information sûr et fiable, à en croire certains journalistes. C'est aujourd'hui que les réseaux sociaux ont abondé ou pullulent. Ici, surtout dans notre monde, ici, mais ailleurs, par exemple en France, les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook ont commencé longtemps, mais la télé a toujours sa place. France 24, il y a des chaînes communautaires qui sont là et les gens suivent la télé. Donc je crois qu'il faut d'abord que la télé nous donne ce que nous cherchons. Nous devons trouver ce que nous cherchons à la télé. Pour arriver à remonter la pente, afin que la télévision garde sa place, un programme captivant, répondant aux besoins des téléspectateurs est l'une des solutions incontournables, renchérit Odilon Mwepou. Parfois, vous avez des télés, des télévisions ou des chaînes de télé qui n'ont presque pas de contenu. Donc, au lieu de suivre le télé, quelqu'un peut se gargariser à se connecter seulement sur WhatsApp, sur Facebook, parce qu'il n'y a pas un contenu attrayant. Mais lorsque vous avez un contenu qui attire, un contenu qui peut informer, qui peut former de manière valable, de manière crédible et fiable, je crois que les gens vont se presser de suivre la télé. La célébration de la Journée mondiale de la télévision a été instaurée par l'Assemblée générale des Nations unies pour reconnaître l'influence croissante qu'exerce ce média sur les processus de décision et le rôle qu'il joue dans nos vies.